Pour la première fois ce soir à Berlin, nous organisons une tournée avec deux artistes français donc qui figurent sur la compilation pédagogique Franco-Musique, donc Antoine Léon-Paul et Elisa Portelli, donc 7 dates en Allemagne. C'est un projet qu'on développe avec plusieurs partenaires, dont Cornell Zentfertrag, qui est une très grosse maison d'édition de livres scolaires en Allemagne, qui investit beaucoup sur ce projet. C'est son plus gros projet, d'ailleurs, à l'échelle de l'Allemagne. Nous sommes soutenus également par l'Institut français, le service éducatif de l'ambassade de France. Donc c'est des partenariats qui sont indispensables, évidemment, pour pouvoir irriguer tout ce réseau des jeunes Allemands en Allemagne. C'est d'autant plus important que l'Allemagne est un très gros marché, comme vous le savez, pour la musique française. Et donc notre objectif, c'est d'aller vers les jeunes. On n'attend pas que les jeunes viennent vers nous, mais on va vers eux, on leur fait découvrir ce qu'est la jeune création française aujourd'hui. Nous avons donc réfléchi à ce projet Franco-Musique qui a plein de composantes, donc c'est une série de concerts, c'est un CD qu'on offre chaque année aux professeurs, aux élèves, et c'est un concours où on sollicite les élèves d'envoyer des chansons qui sont composées eux en français. Et voilà, donc ce concours a un très grand succès, et sans le Bureau Export de la Musique, nous n'aurions jamais pu réaliser ce projet. Moi, j'aurais bien aimé quand j'étais petit apprendre des langues comme ça, avec des CD de musique actuelle. Parce que ce serait souvent, quand on apprenait des chansons en langues étrangères à l'école, c'est un peu des vieux trucs. Là, je trouve ça plutôt rigolo que ce soit des choses, des nouveautés, entre guillemets, quoi. C'est original. Je pense que le Bureau Export font un très beau boulot, hein, parce qu'ils font découvrir des artistes pas forcément très connus et qui ont une vraie identité artistique, une vraie identité de la chanson française. Et je trouve ça super qu'ils nous fassent jouer, qu'ils nous fassent découvrir ici. Très important pour nous, c'est la coopération qu'on a pu établir entre deux milieux qui ne se rencontrent pas nécessairement. C'est le milieu éducatif, les écoles, les élèves qui apprennent ou qui n'apprennent pas le français d'un côté, et de l'autre côté, le monde du showbiz qu'on peut décliner sous toutes les formes. Alors l'intérêt du projet Franco-Musique, c'est justement d'avoir réuni ces deux mondes. Le Bureau Export de la Musique nous apporte tout son savoir-faire pour nous faire connaître la nouvelle chanson française, celle dont nous avons besoin pour promouvoir le français. Allez, donne-toi un peu d'amour ce soir.